Mon travail parle de questions d'identité et de racines. Étant de la diaspora, j'ai grandi entre la France et la Côte d'Ivoire. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a donné une identité hybride que j'aime explorer à travers mon travail. Dans le monde globalisé dans lequel on vit, beaucoup de personnes au cours d'une vie sont amenées à migrer, loin de là où elles sont nées, loin de leurs origines. Et il faut reprendre racine. Et notre identité mute au contact d'autres cultures. J'interroge ce qui subsiste et ce qu'on recrée. Ce qui m'inspire, c'est donc mon parcours, mon vécu, mon histoire familiale, mais aussi mes rencontres. Toutes les rencontres que je fais sur mon parcours, beaucoup de gens m'inspirent. Et quand j'en ai la possibilité, je les invite à collaborer. Ça a été le cas pour Vitiligo, où j'ai convié la poétesse belgo-burundaise Joya Kayaga à écrire le poème avec moi. Elle a aussi accepté de se prêter au jeu de la performance et incarner une des femmes du ciné-poème.